C'est bien, c'est bien. Mais des gants, ouais, des gants. Tu penses quoi, tu penses quoi des coups d'État en Afrique? Les coups d'État. Hey, Maggie. Concrètement. Hey, Maggie. Mm-hmm. Coup d'État. Coup d'État. Coup d'État. Coup d'État. Ouais. C'est quoi, ils donnent leçon à l'État. Je te dis. C'est ça. C'est comme un c'est coup. C'est comme une leçon pour l'État. Uh-huh. Un coup pour l'État. Un coup pour l'État. C'est quoi une leçon pour l'État? C'est vrai. Coup d'État au Mali là. Hein? Mm-hmm. Coup d'État au Mali, moi même ici d'accord avec ça. Parce que ça, c'est pas coup d'État. C'est, oui, ce qui s'est passé au Mali d'abord. Ça, c'est un soulèvement populaire. Ce qui s'est passé au Mali, ça, c'était pour la volonté du peuple malien. Au pire, c'est parce que le marmaille a trop duré. Et ils voulaient finir avec ça. Donc, ils ont chassé Ibeka. Au pire, il s'appelle comment même? Assimi Goïta. Assimi Goïta. Il a assis. Il dit il va couper Nyama et la France, c'est normal. Les Français disent que non, il allait prendre les mercenaires des rues, c'est Russes, comme ouais. Ça, c'est comme ça. Et ils ont signé un contrat avec le service secret du Mali. Voilà ce qu'ils trouvent. Vous avez quoi à voir lui? Il veut, il n'aura pas un mercenaire français. Et ouais. S'il veut, il prend un mercenaire russe. Ouais. S'il veut, il prend un mercenaire chinois. Il n'a pas pris contre la France, il a pris pour lui-même. Si son seul territoire, après des djihadistes, n'a pas fini dans chez lui. Mais pour Guinée, là, c'est pas coup de temps. Il faut que la jeunesse guinéenne ouvre les yeux. Pour Guinée, là, c'est pas coup d'État, c'est braquage. Je te le jure que c'est braquage. Un mercenaire français ne peut pas. Quelqu'un, il faut regarder. On parle de l'Afrique. Là, les Guinée, est comment? La Guinée, là, les Blancs, les Français, ils ont saboté la Guinée pour donner comme l'exemple à les Africains. J'insiste, n'accepte pas moi ma proposition là. Mm-hmm. Voilà comment ton pays va devenir. C'est comme ça ils ont fait la Guinée. En Dieu des camps. Et tu comprends? Il faut qu'on arrive. Il croit que nous on n'est pas là. Le quoi, on comprend pas le système quoi. On connaît. Ni sans prêtre, on connaît le système. C'est pas on fait semblant, sinon on connaît. Mm-hmm. Tu vois, non, quand ils parlent d'une manière, souvent les gens qui d'après pour pas faire la politique, faut pas parler de la politique, faut pas faire quoi, pas faire quoi. Après, ils sont en train de travailler d'abord. Tu vois, non, ils te disent qu'il faut pas. Allez, Moukmalé, fais dans la brata. Aïe. Ben là, là-bas, les bains, et tu comprends? Mm-hmm. Je disais quoi même? Je disais quoi? Faut me mettre sur le chemin. Que la monnaie, ils ont voilà. Dévalué la monnaie. Et Guinée. Tu comprends? Hein, vous voyez? Faut regarder, il n'y a pas quelque chose qui est dans le territoire ivoirien, qui est Guinée, n'a pas ça. C'est quoi qui est là? Ils ont café, cacao, si ils ne me trompent pas, mais ils ont diamant, ils ont or, ils ont l'uranium. Ils ont reçu la terre guinéenne riche. Mais ils ont saboté les guerres, pas aider les rampants dans leur colonialisme. On va regarder. On dit là, ils ont saboté les banques guinéennes, l'infrastructure guinéenne, mm-hmm. Développement guinéen, tout ce que la Guinée doit faire pour sortir dans cette pauvreté, ils ont tout gâché. Tout gaspillé. Pour montrer l'exemple à le peuple africain, si tu n'acceptes pas pour moi, voilà comment ton pays va devenir comme la Guinée. Mm-hmm. Maintenant la Guinée est en train de rouler quoi, mm-hmm. La Guinée est en train de rouler quoi, un enfoiré comme Mamadou Doumbia. C'est le gain. Mamadou Doumbia, les Guinéens n'auraient, n'écoutent pas les musiques. La jeunesse guinéenne même n'a rien fait dans sa vie. Jeunesse guinéenne, ils sont tarés dans la tête. Il faut qu'ils s'assoient pour bien réfléchir sur la situation. Là, comment ça s'est passé même le coup d'état? Voilà. Il a dit lui là, mais c'est un mercenaire français. Quelqu'un que sa femme est dans l'armée française. Lui mais il a travaillé pour l'armée française. Mm-hmm. Il va venir dans votre pays. Il va venir chasser votre. Même si votre président a fait 100 ans, il ne fait rien. Laissez-le. C'est ton pays. Il a essayé un chemin où les grands-parents ont déjà refusé à la France. Lui, il a essayé le chemin. Bâtard, là, s'il n'a pas vantation là, tu vois le mouvement de Eco qui sont dedans là. C'est pour faire rentrer la Guinée dans Eco. Les Eco qu'il veut faire là, pour changer le franc, c'est pas pour faire l'Eco là. Ils ont chassé lui là, c'est pour mettre la Guinée dans le trou. Donc c'est un coup monté. C'est un coup monté de la France avec complicité des chefs d'État africains. Ni sans près, les chefs d'État africains sont dedans. Mais c'est là, Amine. Faut écouter leur discours. Moi, il y a ça dans mon portable. C'est peut-être qu'ils parlent de ça là, c'est pas bon. Sinon, là, il y a un qui dit nous sommes venus en Guinée. On est ravis de voir le peuple guinéen. Maintenant, on a eu à échanger avec Mamadou Doumbia et ses collaborateurs. Mm-hmm. Et tu comprends? On a eu à échanger Mamadou Doumbia avec Mamadou Doumbia et ses collaborateurs. Maintenant, l'autre dit, après, on allait saluer le chef de l'État, Alpha Condé. Mm-hmm. Maintenant, l'autre parle, lui dit que on a eu à changer avec le président Mamadou Doumbia. Puis après, il s'allait saluer mon frère Alpha Condé. Les deux présidents de l'Union africaine, de l'Afrique de l'Ouest, s'élèvent comme Ouattara, même en notre président. Ensemble, Ouattara doit se déplacer avec le président Ghanéen pour aller voir un braquet. Et donne la honte.
Champion, c'est un pédi, il a braqué le président. Ne vous déplacez pas pour aller derrière lui. Restez chez vous, hein. Mais c'est pour c'est pourquoi. Eh, vous en faites ça pourquoi. Non, mais c'est pour le mettre en comprendre. En comprendre, quel comprendre. Bien sûr, les vieux là doivent se déplacer pour aller voir Pétla en foutre, quel comprendre. Il a fait braquage, on doit le laisser, on voit comment il va terminer. La jeunesse de Guinée même doit chasser ce monsieur-là, mais c'est un braqueur. C'est pour détruire l'économie guinéenne. Il est venu là-bas, une fois qu'on le reconnaît comme président seulement là, il va signer tous mais les des contrats. Gars, des gars, tiens, attends, tu es contre le pouvoir militaire ou bien? Le pouvoir militaire, c'est pour Guinée là, c'est contre. C'est pas pouvoir militaire, c'est braquage. Bah, moi, je sais que c'est braquage, c'est pas politique, c'est braquage. C'est pour faire entrer la. C'est braquage? Braquage militaire. Braquage militaire, c'est pour faire entrer la Guinée dans le pot. Oh, donc les blancs sont derrière ça encore. Voilà. Quels blancs sont derrière ça? Même nos présidents sont derrière ça. Les chefs d'État africains sont derrière ça, cousin. C'est pour faire rentrer, pas tous en quota dedans.